monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi franchement ça va, j'ai très peu dormi. Franchement je me suis endormie, il devait être 2h, un truc comme ça. Je me suis réveillée, il était même pas 6h. Je suis restée réveillée jusqu'à 7h, 7h10, un truc comme ça. Après je me suis endormie et je me suis réveillée à 9h. Donc super, j'ai pas trop dormi, c'était une journée un peu... C'est un peu une nuit décomposée et tout. Mais bon, c'est pas grave. De 1, je voulais voir avec vous. J'ai honte. Ça fait 2 jours consécutifs qu'on n'a pas checké notre liste. Je sais que pour le jour, je ne sais combien, regarder une nouvelle série. Je vais commencer à regarder Sabrina, tant pis. Sabrina l'apprenti sorcière, je voulais vraiment un truc qui me mette dans le mood. Parce que de base, je voulais regarder Mercredi, Wednesday, là où je sais pas quoi. Qui devait sortir la première série de Tim Burton. Et moi, j'adore l'univers de Tim Burton. Je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de ce monde. Genre, j'adore ses films. Je trouve qu'il, vraiment, je sais pas, son univers. Voilà, moi de base, j'ai mis ça parce que je pensais que la série du coup de Tim Burton allait sortir. En gros ça part de Mercredi de la famille Adams et moi j'adore, donc du coup j'avais mis ça maintenant genre au début, sauf que la série n'est toujours pas sortie et il n'y a pas de date de sortie, il y a juste écrit que ça sort en octobre. Donc j'ai supposé, très mauvaise supposition d'ailleurs, que ça devait sortir en début de mois, mais pas du tout. Donc tant pis, ce n'est pas grave. Après il y avait un autre truc, c'était décorer la maison pour l'automne. Ça c'est ce qui devait être fait hier. Mais je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous, hein. De toute façon il n'y a pas de... Je devais acheter plein de déco d'automne, genre des citrouilles, des pancartes et tout, nanana. Sauf que je dois aussi acheter mon meuble, ce qui est beaucoup plus important que forcément les décos. Donc malheureusement je ne vais pas décorer ma maison pour l'automne. Et je prie peut-être que pour l'année prochaine, si je suis encore là, si vous me donnez cette chance, que je puisse décorer un peu plus la maison. Mais j'ai acheté une petite citrouille, hein. Je pense que vous l'avez vu dans la bibliothèque, mais je vais pas faire plus que ça honnêtement. Je vais pas acheter d'autres choses parce que j'ai envie de garder mes sous et surtout que le meuble n'est pas non plus donné. Donc voilà, je, parce que de base on doit acheter celui d'IKEA. Si on trouve moins cher tant mieux, si on trouve pas moins cher ça va être compliqué. Mais vous inquiétez pas, on va s'arranger sur les décos de Noël, sachant que je suis censée bosser. Je ne sais pas encore quand ni comment ni quels seront mes horaires, mais je vais voir avec la meuf du coup et je vous dirai tout ça. Et aujourd'hui je sais même pas ce qu'il y a à faire. Donc là il faut que j'exporte le vlog sur YouTube, celui de vous allez voir aujourd'hui, où je fasse la miniature. La petite Nelly toujours elle me laisse des commentaires, je l'adore cette fille, franchement elle est trop mignonne. À chaque fois que je la vois genre sur... J'ai été enceinte aussi entre temps, je n'ai aucun problème, c'est vrai. On t'a rien demandé, tu te calmes. À chaque fois que je la vois dans ma page du coup YouTube Studio, que je reçois ma petite notification de vous avez un nouveau commentaire, genre je suis trop contente, elle est trop chou. Voilà, donc si tu passes par là je te fais un gros bisou. Ouais, mon bébé. C'est vraiment mon bébé chouchou. J'ai le droit à un câlin. Hey, j'ai le droit à un câlin. Oui. Ça va mon amoureuse. Donc aujourd'hui la mission est de, je ne sais absolument pas. Ah, c'est ma meilleure amie qui m'appelle. Attendez. Coco. Ça va mon petit chat? Les gars, je viens de mettre la table. Je me suis pas du tout préparée encore, j'ai rien foutu. J'ai juste rangé un petit peu. J'ai exporté mon montage, fait ma barre d'infos, fait la miniature. Donc le vlog est programmé pour 20h. J'ai rien fait d'autre, j'étais au téléphone avec ma meilleure pote. Non. Non. Miam miam, on va manger avec mamie. Donc ma mère elle va pas tarder à arriver. Donc là je vais juste passer un coup d'aspirateur parce que malgré que j'ai fait tout mon ménage hier, j'ai passé l'aspi, j'ai passé la serpillière et tout, c'est dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de poussière dans cette maison. C'est insupportable. Donc bref, je vais faire ça et on se reprend après. Attendez. Hier
j'ai demandé à Inès de ranger tout son bordel. Et elle a rangé quelques petits trucs, mais pas la totalité. Et mon chéri le soir était censé ranger. Parce que ça a été fait exprès, c'est pas qu'une seule pièce. Je ne sais pas lequel des deux, lequel de ces deux enfants a fait ça. Mais ce soir, on va avoir une conversation. Attendez. S'il vous plaît. Inès, c'est toi qui a fait ça? C'est toi qui a fait ça? C'est toi qui a fait ça? Non mais... S'il vous plaît, attendez, il faut que je passe un coup d'aspi. Mais je sais pas lequel des deux m'a foutu ce bordel, mais ça doit être Inès, c'est sûr. Insupportable. Ça y est, ma maman elle est partie. Je vais. Pourquoi je fume pas bien? Maman. Ouah, parle français! Ma maman est partie, voilà, on va y arriver. On a mangé du petit poulet, une cuisse de poulet qu'on a partagé en deux et des petites pommes de terre. C'était la même barquette que ça. Et on a encore laissé des pommes de terre. C'était succulent donc. Ça y est, j'ai mon repas pour ce soir. J'ai mangé ça, j'ai le reste de riz et j'ai encore un morceau de bavette, donc du coup je vais le faire parce que c'était pas assez pour nous deux, donc je me suis demandé ce que j'allais faire avec. Bah voilà, j'ai la réponse, donc c'est super. Là je vais juste ranger la table, me poser un peu. Daddy. Oui, des carottes. Carottes. Miam miam, tu veux miam miam? Tu veux ça? Oui. Je. Ok. Bref, comme je vous disais, je vais ranger du coup la table. J'ai pas encore rangé la vaisselle, je vais ranger après, je vais terminer mon café. Lire encore un peu parce que j'ai hâte de terminer ce livre, vraiment pour passer à autre chose. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment j'ai hâte que ça se termine, donc j'en suis à la moitié. Je vais essayer d'avancer le plus possible vu que là j'ai rien à faire. Et puis voilà. Et tout à l'heure, il faut que je passe voir la dame, donc du coup, il faut que je passe à la librairie. Récupérer le cadeau de ma soeur et c'est tout. Donc du coup voilà, je vous filmerai à ce moment là. Là je vais rien faire d'intéressant. Donc à toutes. Bon les gars, j'ai une coupe de merde déjà pour commencer. Mais c'est génial, génial. Franchement, je vous jure, je suis arrivée au stade où ma coupe me fatigue, me saoule, tous les adjectifs négatifs de ce monde. Parce que, ok certes, non mais c'est quoi ça? C'est pour capter quel genre de wifi? Non mais c'est pas vrai ça. Aïe aïe. Je vais péter un câble. Bref, en gros. J'en ai pas. En gros, j'ai lu, comme vous avez vu, j'ai passé peut-être une heure, un truc comme ça à lire, même pas. Enfin, une heure. En tout, une heure, mais je me suis arrêtée. J'ai checké un peu mon téléphone, j'ai joué un peu avec Inès, et ainsi de suite. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai lu jusqu'à la page 214, ça commence, ils se sont enfin rencontrés, donc c'est génial, franchement je suis très contente pour eux. Ils ont eu un échange assez cordial, ils se sont vus pour d'autres choses, donc franchement ça commence à devenir intéressant. Après comme je vous ai dit, vraiment je vous fais des updates un peu tous les jours, parce que ça fait 5 jours que je suis sur ce livre et c'est beaucoup trop long, sachant que les autres je les ai dévorés, que ça soit les Wish, que ça soit le Colleen Hoover, même le, comment ça s'appelle, et Dieu créa le sexe. Franchement je les ai lus super vite, c'était hyper simple, hyper fluide, pas de détails encombrants dans la lecture et tout. Franchement j'ai adoré. Mais là ouais, franchement, si je dois être honnête, je pense que les 100 premières pages, si ce n'est pas les 120 premières pages, je les aurais retirées. Franchement j'aurais raccourci un peu le truc et tout, genre je trouve que c'est très long. Elle marmonne tout le temps la même chose, parce que voilà, telle personne est décédée à cause de la fièvre romaine, je sais pas quoi. Et du coup, elle est décédée à cause de la fièvre romaine. Et c'est la fièvre romaine qui l'a tuée. En fait, c'est tout le temps comme ça. C'est un peu le même sujet, 20 fois, mais dit de façon différente. Ça a impacté sur telle personne, ça a impacté sur telle personne. En fait, ça me saoule, c'est trop redondant, c'est toujours la même chose. Il y a des détails genre...
inutile dans l'histoire. Franchement, il y a des moments où on parle de certaines personnes, je vois pas c'est quoi le rapport dans l'histoire. En fait, je trouve que d'un côté, c'est bien, il y a des gens qui adorent, par exemple, quand il y a beaucoup de détails, genre la couleur des murs, s'il y a, je sais pas, un papier peint, comment il est constitué, quelle couleur le compose, et ainsi de suite. Je vous dis une connerie, vous voyez, mais moi, ce genre de truc, ça m'agace. Vraiment, genre, j'aime bien quand la lecture est fluide. En fait, j'aime bien avoir les détails importants. Pas besoin, vous voyez, par exemple, sur le Colleen Hoover, genre, quand elle arrive chez son père, par exemple, ils vont parler de la chambre, mais ils vont donner les détails les plus importants. Genre, il y a peut-être 4 lignes, genre, par rapport à la chambre, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, genre, voilà, c'est les détails les plus important, voilà, au moins on a une idée de la chambre, c'est super. Pas besoin d'en faire des caisses, de toute façon on s'en fout de la chambre, si elle est bleue, violette ou aubergine ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Moi, dans une lecture, j'aime quand c'est fluide, quand c'est simple, quand il y a des détails, certes, mais importants, ou des détails, voilà, qui sont essentiels à la lecture. Mais là, il y avait trop de trucs inintéressants, franchement. Mais bon, bref, là je vous en parle parce que vraiment, je lis, bah, depuis que j'ai commencé les vlogs, non, après que j'ai commencé les vlogs, mais en tout cas à peu près vers le début des vlogs. C'est pour ça que je vous en parle un peu chaque jour et parce que je trouve ça très long. Mais sinon, je vous ferai une vidéo début novembre sur vraiment mes lectures du mois, enfin des mois qui ont précédé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, et ma pile à lire, ce que j'en ai pensé et ainsi de suite de mes livres lus. Et puis voilà. Bref, je n'ai plus de batterie, je vais bientôt rejoindre ma mère, donc je vais me préparer, m'habiller et ainsi de suite. Et on se retrouve un peu plus tard. Bisous. Bon les gars, je suis rentrée il y a un petit moment, toujours avec cette mèche, c'est super, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis rentrée il y a peut-être une bonne heure à la maison. Non mais ça va ou quoi là? Mais c'est quoi ça? Mais vraiment, genre une mèche pire que rebelle là. Ah, c'est bon. Bref, c'est pas mieux mais c'est pas grave. J'ai grave froid. Bref, je vous disais, je suis rentrée il y a une bonne heure. En fait, je suis partie à un rendez-vous que j'avais pour un taf. Ça s'est très bien passé. Je commence le mois prochain pendant 2 mois. C'est juste en fait un remplacement. C'est pas un truc fixe. C'est juste un remplacement. J'en avais déjà parlé avec, avec la dame et tout, que je connais. Et en fait, je me dis que ça me permettra de me remettre un peu dans le bain, histoire de reprendre une activité professionnelle. Parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que je n'ai pas travaillé, même un peu plus, parce que bah du coup j'ai dû arrêter le taf pendant le Covid. En plus, j'étais enceinte déjà à ce moment-là, parce que je me suis arrêtée à 4 mois de grossesse. Et du coup, après, bah, j'ai continué ma grossesse en étant à la maison. Après, j'ai commencé à toucher le pôle emploi. Donc du coup, bah là, ça va s'arrêter. Donc toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison avec ma fille. Et c'est vraiment ce que je voulais par-dessus tout. Je voulais pas engager une nounou ou devoir la mettre à la crèche. Même si, voilà, je sais très bien que si j'aurais pas eu le choix, j'aurais dû le faire comme tout le monde. Je n'aurais été ni la première ni la dernière à le faire. Mais j'ai été très contente d'avoir eu cette chance, d'avoir pu garder Inès avec moi, de pouvoir m'occuper pleinement d'elle. Après là, c'est vrai que je sens que la séparation va être très 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 compliquée, parce que rien que de parler de ça, ça m'émoustille, voilà, parce que c'est mon bébé, c'est la prunelle de mes yeux, c'est voilà, ça fait 2 ans que je suis H24 avec elle. Mais quand je vous dis H24, je n'ai jamais dormi une seule fois sans Inès. J'ai toujours été là quand elle dort, quand elle se réveille, tout. J'ai assisté à toutes ses premières fois, donc ça va être très compliqué pour moi. Mais voilà, il faut que je comprenne que déjà moi, il faut que je trouve un taf. Je ne sais pas encore où ni comment ni voilà, mais il faut que je trouve quelque chose. Et Inès, pareil, l'année prochaine va aller en maternelle, donc forcément, j'ai pas le choix. Il faut bien que je la mette à la maternelle. Donc il faut que je commence à me délaisser un petit peu, même si je sens que ça va être très compliqué pour moi. Mais voilà, je vais commencer le mois prochain pendant 2 mois. Donc je suis contente, je suis hyper stressée, vraiment, je vous dis, je suis extrêmement stressée. Parce que voilà, ça fait grave longtemps que je n'ai pas travaillé. Et en fait, c'est même pas question de travailler ou pas travailler, parce qu'en soi, je les connais. Je connais la boutique où je vais, parce que j'ai déjà travaillé dans cette boutique. Mais en gros, ouais, je suis stressée. Bah, c'est surtout par rapport à mes crises d'angoisse, parce que voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai très très peur, mais je croise les doigts, je suis optimiste. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie d'y aller en mode non, ça va mal se passer. Non, j'ai envie d'y aller en mode ça va, tu vas gérer le truc. Et de toute façon, elle connaît la situation, on en a discuté avant. C'est aussi pour m'aider un petit peu qu'elle fait ça, et parce qu'elle en a besoin bien sûr. Et voilà, c'est un peu du donnant-donnant, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Et au moins, voilà, ça me permet de remettre un petit peu le pied dans le milieu du travail, malgré que voilà, je sais ce que c'est, j'ai toujours bossé
passée. Je suis jamais restée comme ça à la maison, mais là bon, c'était pour d'autres choses. Je me suis occupée de ma fille et j'en suis très fière. Et si ça serait à refaire, je le referais 1000 fois pour garder cette crotte de nez pleine de chocolat. Donc ouais, non, si c'était à refaire, je le referais. Mais voilà, c'est vrai que je suis très stressée. Je panique un petit peu, non pas du fait de travailler, mais vraiment par rapport à mes crises d'angoisse. Mais bon, je croise les doigts que, je sais pas, peut-être que ça me débloque quelque chose, que ça m'aide à aller de l'avant, ça me permet d'arrêter de faire des crises, j'en sais rien. Franchement, je le souhaite du plus profond de mon cœur, honnêtement, parce que c'est très compliqué pour moi, ça commence à l'être de plus en plus. Et ouais, ça commence à être chiant parce que j'ai pas de vie et j'en ai marre, en fait, j'ai envie d'aller mieux. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, c'est facile à dire, oui, je vais aller mieux et j'ai envie d'aller mieux. Mais après, quand il s'agit de le faire, malgré que j'essaye de faire le maximum possible et de me forcer le plus possible, c'est toujours très compliqué. Mais bon, écoutez, après, on verra comment ça se passe, je croise juste les doigts. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'espère avoir le temps de tourner des vidéos. Normalement, il n'y aura pas de soucis, ça changera pas, il y aura toujours une vidéo le dimanche. Après, ces prochains mois, si vous voyez que, bah voilà, après je pense que déjà les vlogmas j'en ferai pas, parce que honnêtement, si je bosse, je vais pas avoir le temps, malgré que pendant la semaine je travaille pas toute la journée, je travaille que le soir. Mais voilà, j'ai pas envie de me foutre la pression, j'ai pas envie en fait de filmer la journée, le peu de temps que j'ai avec Inès, pour après devoir me dépêcher, aller travailler, rentrer du travail, faire à manger, m'occuper de ma fille, devoir faire du montage. J'ai pas envie de faire ça, donc je pense que les vlogs de Noël cette année, bah il y en aura pas. Mais ça tombe bien parce que je compense avec cela, donc je suis contente aussi. Mais ouais, je comptais vraiment faire les vlogmas, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, et je continuerai à poster des vidéos, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. Bah du coup, j'essaierai ce mois-ci, si j'y arrive, si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Après, j'aurai la journée, j'essaierai de me consacrer à ça. Mais bon, après, comprendrez-vous qu'il y ait peut-être des dimanches où il n'y ait pas de vidéo. Mais bon, en temps normal, il devrait pas avoir de problème. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et là, je suis rentrée, je suis en train de lire un petit peu mon livre, je sais même pas quelle heure il est, 18h47, je suis en train de lire un petit peu mon livre, je vais exporter du coup les vidéos d'aujourd'hui, commencer à faire un peu de montage pour après manger avec Inès. Mon chéri va pas rentrer tout de suite, il a des choses à faire, comme ça je suis un peu tranquille ce soir pour faire un peu ma lecture. Et je vais essayer de m'avancer au maximum, quitte à essayer de terminer ce livre. Et franchement, je commence à bien aimer l'histoire, ça commence vraiment à se, voilà, à se débloquer. Donc je commence vraiment à aimer l'histoire, mais j'ai hâte de passer à autre chose aussi. Par contre, je ne sais absolument pas ce que je vais lire après ça, donc je pense que je vais faire comme ça, plouf plouf, et celui que je touche c'est celui que je lis. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que je pense que j'aurai pas mal de petits montages à faire là. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je suis désolée pour ma coupe, mes trucs et tout, mais bon voilà, c'est la fin de journée, vous connaissez la chanson. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est très important. Je vous le dis à chaque fois, mais ça vous permet de recevoir les notifications dès que je sors une vidéo, sachant qu'il y en a une tous les jours jusqu'au 1er octobre inclus. Donc voilà, j'espère. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si jamais ça vous dit. Et je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à demain 20h pour un nouveau vlog d'automne. Bisous.